Salut les dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez, là aujourd'hui, je vais vous montrer un nid de frelons dans un volet, un frelon asiatique. Donc, je vais prendre le matériel avec moi. Et après, je vais m'habiller. Je vais vous montrer ça. Fermez la voiture. Bon, je sais pas si vous allez bien. Pas beaucoup de nids en ce moment, hein. Et ben voilà, on est sur une mauvaise année. Il y en a, j'en fais des nids, mais pas assez pour les filmer en fait. Allez, je vais aller voir ça, je vais vous montrer ça. J'espère que le client ne va pas sortir. Il faut que vous restiez dedans. Vous inquiétez pas, je vais trouver le chemin. Je vais faire le tour, mais rentrez dedans s'il vous plaît. D'accord? Parce que, oui, vous rentrez dedans, parce qu'après s'il y a une attaque, j'ai pas envie que vous fassiez piquer. Je passe par là. Allez, à tout à l'heure, je viens vous voir. Oui, je viens vous voir quand j'ai fini. À tout à l'heure. Bon, vous voyez, il faut faire attention parce que c'est une personne âgée. Et j'ai l'impression qu'il veut venir avec moi en fait. Mais on peut pas là. Allez, je fais le tour. J'ai la combi qui va tomber. Alors, c'est ici. Allez, je vais poser tout ça ici, comme ça j'irai m'habiller après. Allez, je vais vous montrer ça. Alors, je vais vous montrer. Vous voyez, on est sur la terrasse ici. Ils ont l'entrée. Voilà, terrasse pour profiter de l'été. Et le nid de frelon, il est. Vous allez voir. Donc vous voyez, on est sur du frelon asiatique, dans un volet coulissant, donc ça peut être dangereux, surtout à cet endroit. Donc là, je vais m'habiller, mettre la combi, et on va aller traiter ça. Alors vous n'aurez pas une vue sur le nid, mais on va voir s'il y a beaucoup de frelons ou pas. Allez, à de suite. Allez, c'est parti pour le combat. On va aller voir ça. On va tourner la caméra. J'espère qu'on va toucher le nid. Donc quand on est dans des cas comme ça, c'est un peu difficile parce que à lever le pic, j'ai pas senti le nid. Donc il va falloir attendre. Malheureusement, mettre un peu plus de poudre. On va voir s'il y a des frelons blancs qui sortent ou pas. On va essayer de toucher le nid avec... Là, je l'ai touché. Là, normalement, je l'ai touché. Voilà, on les voit sortir blanc.
voyez, c'est plus difficile dans un volet, surtout que vous voyez, le coffrage est quand même assez grand. Le volet était ouvert, donc comme ils ne le ferment pas, automatiquement ils ont fait le nid un peu loin. Mais voilà, ouais, ça sort. C'est pas mal. Regardez, il y en a un là. Allez, on va sortir. Vous allez voir le sol. Regardez-moi tous les frelons au sol. Allez, on va se reprotéger. Allez, on repart à la voiture. Attention que ça ne suit pas. J'espère que le client ne va pas sortir. Parce qu'il a l'air de vouloir sortir et d'aller voir ça de plus près. Surtout, il est sourd. Donc, il va falloir que je lui explique bien fort. Et j'espère qu'il va comprendre. Parce que là, il ne faut pas qu'il aille sur la terrasse cet après-midi. Ah là là. Des fois, ce n'est pas toujours facile. Mais ça reste un beau métier. Allez, je vais ranger tout ça, je vais aller voir le client. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle n'était pas très longue. Mais ça fait toujours plaisir une vidéo avec vous. Moi, je vous dis, je vous fais plein de gros bisous, un petit like, un petit commentaire des familles. Et moi, je vous dis à très bientôt les Dédés. Quoi, t'es pas abonné à Dédé Frelon? Alors, dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve. Oh, yeah.